défense. La défense pour la question. Monsieur le Président, honorable assesseur, avec votre permission, je vais poser des questions au général Baldé. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Je ne vais pas avoir beaucoup de questions pour vous, mais je vais quand même poser quelques-unes pour certaines précisions. Bien, maître. Vous savez, dans cette affaire, Monsieur le procureur de la République a écrit à certaines entités pour avoir quelques informations. Il a surtout écrit au colonel, il me semble, le colonel Aguibou, qui était en réalité le responsable ou directeur de l'école de la gendarmerie de Kaléa, qui a plutôt fourni un document intitulé « Chronologie des directeurs de l'école de la gendarmerie de Kaléa ». Oui. Et le but en réalité était de créer un lien, et c'est en cela que mes questions vont être posées, entre le colonel Blaise Lama et le président Dadis. À l'époque des faits, vous étiez le chef d'état-major, général des armées. Non, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, c'est bien cela? Oui, à l'époque des faits, j'étais chef d'état-major de la gendarmerie nationale. C'est parfait. Avant vous, qui étiez chef d'état-major général de la gendarmerie? Je suis venu remplacer le général de division Jacques Touré, paix à son âme. Le général de division Jacques Touré. Ok. Est-ce que dans ce document, il est noté que le colonel Blaise Lama était le directeur du centre de Kaléa entre 2009 et 2010. Colonel Blaise Lama, qu'il était le directeur du centre de Kaléa entre 2009 et 2010. Ce document, il est produit. Je parle du colonel Bienvenu Lama. Hein? Je parle du colonel Bienvenu Lama. Ah voilà, Bienvenu. Bienvenu Lama. À ce que je sache, Bienvenu n'a pas été directeur de l'école de Kaléa. Je sais. À ce que moi je sache. Et vous savez, j'ai une note signée par vous-même. À l'époque, vous étiez chef d'escadron Ibrahima Baldé. Oui, à ma nomination, j'étais chef d'escadron. Cette note date de janvier 2009. Alors, par cette note, vous avez désigné le lieutenant Bienvenu Lama. Matricule 19044-G, actuellement instructeur à l'école nationale de gendarmerie de Kaléa, a l'effet d'aller pour un stage. Est-ce que c'est bien vous? Oui, quand je suis arrivé, Bienvenu était instructeur à l'école de gendarmerie. C'est parfait.
Est-ce que vous saviez que Bienvenue y a été nommé, nous l'avons démontré ici quand on interrogeait le président Dadis, par le chef d'état-major, par le chef d'état-major de la gendarmerie, Jacques Touré, au mois de juin 2009, plusieurs mois avant la prise du pouvoir. En qualité d'instructeur, oui. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que dans ces conditions-là, sur ce point-là, on peut créer un lien entre le colonel Blaise et le président Dadis en raison de ses fonctions à Kalea? Ah, vous avez répété, maître colonel Blaise. Je parle du colonel Bienvenue Lama. Comprenez-moi, le colonel Blaise est là, c'est pour ça que je me trompe. Le colonel Bienvenue Lama. De quelle relation vous parlez? Relation? Si il a été nommé en juin 2009 par le chef d'état-major de la gendarmerie Jacques Touré que vous avez remplacé. Oui. En juin. Oui. Sachant que la prise du pouvoir a été faite en décembre 2029, est-ce qu'on peut lier sa nomination au président Dadis? Non, si on veut lier la nomination de Bienvenue au président Dadis, il faut sortir l'acte. Je suis content. Cet acte ne peut exister et on a déjà produit des heures dans le dossier qui indique qu'il a été nommé par Jacques Touré. Alors, mais par rapport à vous-même, quand vous l'avez désigné pour le stage, est-ce qu'il a effectivement accompli ce stage-là? Oui, affirmatif. Est-ce qu'il pouvait être en stage désigné par vous et être en même temps directeur de Kalea? Non, je vous dis que Bienvenue n'a pas été directeur de Kalea sous ma main. Sincèrement, je ne veux même pas trop... J'ai fait l'histoire ou l'historique de l'affaire de Kalea. Les gens ont souvent fait l'amalgame entre les recrues qui y étaient lorsque j'ai vidé le centre pour composer les 10 escadrons et la reprise de l'école par les forces armées, notamment le ministère de la Défense. À partir de là, si peut-être les gens ont l'habitude de voir certains à Kalea, ils disent que non, Paul ou Pierre étaient à Kalea, moi je pense que dès lors que j'ai vidé le centre, dès lors que tous les membres qui étaient à l'intérieur, instructeurs et machin, ont été demandés de retourner dans leur unité, je ne crois pas qu'il y a lieu de penser que quelqu'un est directeur du centre. Officiellement, le directeur du centre que j'ai nommé, c'est l'actuel colonel Sidiman Kouyaté. C'est bon que je vous donne quand même ces petites informations. Le premier directeur de cette école, c'est le colonel Maman Salou Diallo, lorsque j'étais en Haïti. Quand je suis arrivé, compte tenu de tout ce que j'ai vu à l'école de Kalea, puisqu'il y avait les deux écoles, Somfonia et Kalea, propriété, machin, j'ai dit que je faisais monter le colonel Salou Baldé comme chargé de la division formation et son adjoint, qui était le colonel, à l'époque capitaine, Gilles Sidman Kouyaté, directeur de l'école. Mais à peine Gilles Sidman Kouyaté a été nommé, il y a eu une bourse qui l'amenait au Maroc comme chef d'état-major, et plutôt pour le diplôme d'état-major. Et on est resté dans ça. On a retiré l'école. Même lorsqu'il est revenu, je lui ai dit, cette école est maintenant occupée. Il faut que tu restes à côté de nous. Mais entre-temps, je crois un jour, il s'est hasardé à aller rencontrer, à l'époque, le chef d'état-major général des armées, le général Thiam, paix à son âme. Il sait comment il m'a retrouvé à mon bureau par rapport à ça. Merci, général.